En fait, là, nous, on a justement Cap-Haïtien. Et là, nous avons ces agents médicaux, justement, qui mettent au prêt pour être capables de faire des dépistages de coronavirus pour à peu près 225 compatriotes qui ont intercepté la semaine dernière. Ils ont eu l'intention d'aller à la Providence. Côté nous, les Tukenkaikos là. Mais faut nous tout parlant de Providence. On est grand bon haïtien dans l'île, ça. Ils ont vraiment senti humilié parce que c'est toujours passé dans la bêtise. Parce que ces derniers jours, en plus, l'haïtien, en fait, à bonne chance, j'ai été au bureau de la décor la Providence. Donc, mon haïtien, bien entendu, qui est à la Providence, ils ont toujours humilié, justement, comme tu es depuis le monde, ça. Et qui a pris chance. Donc, je t'ai mené au tournée, et dans le Cap-Haïtien. Il y a quatre là-dedans qui étaient ça dans les organisateurs clandestins de voyage. La police nationale interpellée, ils ont descendu en avion, ils ont arrêté. Et rapatrié ça, ils ont été transférés directement dans un lieu gardé secret. Et parce que l'autorité, ils craignent que éventuelle représailles de la part de la population. Parce qu'en pile, hôtel pas de recevoir, parce qu'il dit qu'il y a un coronavirus côté sorti, on va le rejoindre à l'hôtel. Donc, il va le mettre, il suppose aller en quarantaine pendant 40 jours. C'est ça, docteur Robert dit, et qui est directeur départemental du ministère de la Santé publique pour la population dans le Nord. Cependant, quelques heures après, et mon ça a été arrivé, et pas vraiment grande préparation est faite. Donc, en pile là-dedans, il sauvé, il parle de 69, mais le pupitre toujours. OK? Ils ont quitté côté, ils ont en quarantaine, non? Pas aucun police policière pour remarquer eux. 132 rapatriés, qui ont supposé prendre en charge. Et donc, maintenant, on dit, mes amis, il faudrait que l'autorité haïtienne, pas réussite, comprenne que ça a des impacts. Et sous, le monde qui a vécu dans Providence. Plusieurs navires, ça c'est une. Mais c'est plusieurs. Ils transportent des voyageurs clandestins. La capitale économique, ça. Avant de bien mon tout très vieux. Nous-mêmes, nous avons goûté pour Miami, tout ce que c'est à la Providence. Vous comprenez? Et les organisations haïtiennes dans la zone Providence, ils ont condamné bagage ça. Ils dit, les autorités haïtiennes, on va prendre ça en charge. En augmentation que vous constatez du nombre de voyageurs clandestins. OK? Donc, j'en dis le plus souvent, ils sortent dans. Cap-Haïtien. Et... Mais en fait, c'est une illusion que nous faisons. Parce que c'est bien facile. Vous allez à l'entrée, vous allez comme si vous n'avez pas gagné. Et il y a des gens qui font au quoi, tout, vous faites au pays et tout. OK? Et donc, Haïtien, j'en dis là, Haïtien, Cap vivent dans une zone sérieuse, vraiment stigmatisée. Et maintenant, on l'a dit, tout le monde, autorité, la Providence, ils ont même toujours fait un pile président. On communiqué de presse, qu'ils ont une copie par les ministres. En fait, ministre Tukenkai Kosa et ministre Immigration et Souveraineté, il dit clairement précisé que l'objectif, c'est faire rapatrier tout détenu sans papier. Il dit c'est une tâche coûteuse, mais qui est supposée faire. Comprenez bien? Il dit même que ça coûte au comme tout le monde. C'est justement rapatrier. Donc, pour être capable justement protéger tête, tout parce que peut-être coronavirus. Il dit bientôt, responsable a parlé. Et il va dire qu'il y a des mesures qui prennent place pour vous protéger. Des mesures telles que délai de permis de travail, fermeture. J'avais dit, la Providence va commencer à marquer ces lieux-là. Il va des fermetures de vos mouvements de permis de travail à fermer. Opération d'application de la loi, des rentes conçues pour débarrasser les migrants illégaux. Donc, j'avais dit que ça, et Providence va commencer à marquer, on dit. Le ministère a rappelé, il a voulu que l'illégal pour héberger des charges. Il dit même non, ou dans la Providence, s'il même héberge seulement, il dit son bail illégal, il n'y a pas de problème. Donc, personne ne sera coupable de l'activité et au passif de amende de 20 000 dollars américains, on peine d'emprisonnement de 4 ans. Donc, t'es chargé. Donc, avant que vous téléphoniez à Haïtien, ça, aux compatriotes, vous avez des symptômes. En fait, vous avez parlé de. Il n'y a pas de grand symptôme, bien entendu. Mais le ministre Kaïk a dit que. Et dans le communiqué, tout détenu était contrôlé par l'autorité, rapatrié.
Peut-être dire que cet homme l'État ici a bien pour obligation pour le double-check. Est-ce que Mounsayo pas gagné symptôme coronavirus? Donc voilà, et nous voyons que responsable qui t'a parlé avec Mounio, un jour après de 225. Mais la réalité, c'est que il parle avec Mounsayo, mais Jean Dula, là, je suis supposé à le mettre en côté en quarantaine, mais c'est Mounio arrivé. Et mon n'y a pas trouvé ça les quarantaines, non? Donc, et représentant régional pour charger l'immigration, Frigent Chadet officier, n'est pas vraiment à la hauteur. Bon, bien qu'il va laisser moyen, pas le gain. Il pas vraiment à la hauteur. Parce que quelques heures, la monsieur vient balayer tout le monde après pile le monde ça. Et gain, yo, à pied. Vous comprenez? Il n'y a pas ici. Pas grand et cap civil. Et au deux côtés, il y a. Mes amis, pas gagné de l'eau, pas gagné. Donc, c'est son situation qui est terrible, là. Son situation qui est terrible. De toute façon, on a quitté, nous, justement, avec reste vidéo, pour nous capables de regarder, eh bien, gens que Mounsao, je tape, et justement, et mené au Cap Haïtien, pour te mener au centre, côté où tu es supposé arrêter pour 14 jours. En suivant ça. Au Cap Haïtien, 180 compatriotes haïtiens qui ont rapatrié au Cap. Côté au départ, nous prenons sous de l'eau. Dans qui pays? Depuis quelle heure? Depuis lundi. Lorsque nous finissons recevoir, qui ça nous va faire avec eux? Nous avons une santé publique qui a fait des tests médicaux et ONM a pris en charge. C'est l'inconnu, donc on va le garder en quarantaine, on va le suivre pendant la quarantaine. Pour combien de jours? Et au moins 14 jours. Qui est-ce que vous mettez en quarantaine? Bon, exceptionnellement, bon, il faut qu'il fasse avec le gouvernement et l'ONM pour pouvoir louer un hôtel en dehors de la ville pour pouvoir le garder en quarantaine. Bye.